Second combat qui va voir l'entrée d'un catcheur. Masse de muscles. Trapu aussi un peu comme Monsieur Vega. Il nous vient d'Amérique centrale. Il vient apporter le changement. Il vient apporter la révolution. Que dis-je? La révolution. C'est le guerrier du ring. Il vient à Seuil-Fontaine pour vous faire révolter. Faites entrer Monsieur Seigneur Hugo Pérez. À rentrer aurait dû être Monsieur Vince Ventura, contre qui vous auriez dû combattre, Seigneur Pérez. Hélas, Vince Ventura a été blessé en ring, et il a fallu que Monsieur Belisarios, le patron de l'entreprise, trouve un autre contrat et un autre catcheur pour lutter contre Monsieur Pérez. Alors, ce catcheur, j'ai déjà eu l'honneur de le commenter plusieurs fois, j'arrive toujours pas à savoir si c'est un homme ou un animal. Il est pas spécialement poilu, mais les sons qu'il produit me rappellent même ceux d'un singe. Il vient aussi d'Amérique centrale, Monsieur Pérez, c'est un copain à vous, finalement. Et il est simiesque, il voltige, il vole d'arbre en arbre, il est sauvage, il est accompagné de son petit Piki, sa mascotte, et de son manager, Shadow. Faites un succès pour Monkey G. Il y a un concours de gimmick là. Concours d'encouragement. Il faut plus de bruit que ça.
Vous aimez qui? Le révolutionnaire, le guerrier ou le singe? C'est mon équipe qui semble avoir tous les suffrages pour le moment. On va voir ce que ça donne au combat. Et la prise de force. On s'empoigne. Et c'est parti. Oh, on commence par écraser. Monkey tout son poids. Perez évidemment est beaucoup plus lourd que Monkey. Ça y est, les tensions. Il va partir en souplesse arrière peut-être. Non, non, ah pour les reins. Et Monkey a réussi à renverser la prise. Attention, c'est de la lutte. C'est de la lutte pure et dure. Mais la lutte de force. Je ne sais pas si Monkey aide. Ah, de bien mauvais. Un bien mauvais geste de la part du gauche. Le central est très riche, la nourriture est très riche en Panama. Enveloppé. Des nœuds avec Monkey, le saint, la fête. Et on... Ah, retournez mon. Attention, oui. Allez-vous. Kicker. On brise la. Ouais, un peu d'encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne t'as pas dit deux avant le prochain. Ouais, tu viens, tu dis que tu l'allumes et il change le micro. Tu la rallumes.
La force du gros Pérez est monstrueuse, assez puissante pour renverser un régime. Aïe, 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 le coup de coude a cédé sur la suppute. Bon, ben là, Monkey se fait complètement malmener. Monsieur Shadow, faites quelque chose. Elle n'est pas loin. Ah, monsieur Pérez, vous avez les encouragements de ce côté. Il y a donc des révolutionnaires par ici. Hein? Allez, vive la révolution! Vive la révolution! Aïe, 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 aïe. Et la belle blague, le bel Athéni, porté sur le torse, dans les cordes. Joli! Attention, non! Oui, très belle agilité. Oh, sixième tête! Retournez, continuez Pérez. Seulement là. Coup de pied. Monkey, malgré sa dure au singe, pratique aussi les arts martiaux. Mais ça ne lui sert pas. Mais lui dites pas ça, il va sortir sa mitrailleuse et tous ses copains qui vont arriver. Non, ça va être un bordel. Dans le corps, prise interdite, il faut casser la prise. Monsieur Shadow meurt d'envie de monter dans le ring pour encourager le singe qui se fait prendre par le masque. Remis au sol. La queue de jambe. Non, les épaules ne touchez pas, ça ne marchera pas. Non. Mais faites. Bon, c'est comme d'habitude, la Fontana est toujours à l'ouest et aux fraises. Ah non. Et Pérez ne relâche pas son étreinte, si. Ah, il est en train de broyer la mâchoire, de lui arracher la langue à travers le masque. C'est beaucoup plus douloureux. Ouf. Un coup de pied en plein visage. Pérez est d'une brutalité qu'on n'a pas souvent vue. Interdite. Allez, pasteur, mais je monte pas là-dedans, quoi. Vous êtes fous, quoi. Non, vous avez vu le bébé un peu. Non. Que mon kiff déroule tout seul. Un petit enfourchement, non. Mais oui, madame. Et c'est fini. Hugo Pérez a porté le coup fatal. Je crois que ça ne sera pas nécessaire. C'est fini pour mon kiff, je pense. Pérez s'embrasse. Il va abattre la furie de la révolution sur Monkey le singe, sur Monkey D. Pérez est au sommet, il va sauter, il saute, il s'écrase. Che Guevara avait dit, la révolution c'est comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. Nous avons là, mais parce qu'on s'instruit avec moi. Monkey s'embrasse péniblement et essaie de reprendre du poing de la bête, du poing du singe. J'ai des fans, j'ai des représentants de chez Sony derrière moi, c'est splendide. C'est n'importe quoi, un concours de claque, un concours de bouquet. Franchi dans les cordes, Monkey ne peut plus rien faire. Pérez s'écrase et fait trembler le ring. Il reprend son souffle et Monkey en profite. Non. Les doubles coups de genou. Ah. Il va en profiter. Ouf. En plein plexus. Ça coupe le souffle. Il faut en profiter. Il faut remettre la pression, Monkey. Il faut remettre la pression. Ça ne sera pas suffisant. Ah. On critique l'arbitre. On critique Monsieur Fontana. J'ai envie de dire c'est habituel. Il s'arrête dans les cordes. La corde à linge ratée. Il est trop puissant. Pérez est trop puissant. Tu peux préparer un coup de main déjà.
Décidément, mon qui n'arrive à rien faire. Il a été rep... C'est passé quelque chose, là, non? Le droit qui, Perez est éjecté. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Je ne sais pas, je n'ai pas trop vu. Mais mon qui en a profité, en tout cas. Il va sauter. Attention derrière. Le crossbody. Le crossbody appliqué parfaitement depuis la troisième pole. Perez est au sol. Perez est sonné. Il voit les étoiles rouges de la révolution. Hasta siempre, ai-je envie de dire. Et c'est des Athénies. Des Athénies, des manchettes. Mais est-ce que c'est bien, bien, bien utile contre, contre une masse pareille? Allez hop, le tombé est fait. Il y a le temps de compter jusqu'à 26. Mais Fontana est en fraise. Voilà. Attention, est-ce qu'ils ont payé leur place avant? Bien. Monkey, en tout cas, réessayer une nouvelle occurrence sur Perez qui vient le chercher. Perez est absolument. Et c'est Shadow. Shadow vient de percuter Monkey, catapulté par Perez. Et ben voilà, il est par terre, oui, j'allais le dire. Et attention. Monkey s'abat comme une branche d'arbre.